Yo tout le monde, c'est Pab, j'espère que vous avez la forme, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur NBA 2K16, les mecs, mais on n'est pas sur le mode de ma carrière pour faire mes grands débuts avec les Chicago Bulls. Oui les mecs, les Chicago Bulls. Mais vous inquiétez pas, ce sera demain. Vous inquiétez pas les mecs, moi aussi j'ai hâte de la tournée de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais on est tout simplement, je vous avais prévenu, voilà, je bafouille, c'est pas grave, en mode bafouillation. Je vous avais prévenu, je suis un youtubeur NBA 2K, car je suis un passionné de basket, car nous sommes des passionnés de basket, car j'aime le basket et j'aime 2K, je suis amoureux. Et voilà, hashtag schizophrène, voilà. Et donc tout simplement, je vous avais prévenu, il y aura des séries sur à peu près tous les modes, les meilleurs évidemment, mais vu qu'ils sont tous bien, et comme... Voilà, c'est, voilà, en fait, ouais, oui, ils sont tous bien, donc il n'y a rien à dire de plus. Et donc, tout simplement, voilà, vous m'avez vu faire mes grands débuts avec le mode Mon Équipe. Il y aura du pack opening très prochainement seulement. Il faut que je me fasse du bif dans le jeu, bien évidemment, pour pouvoir ouvrir quelques packs, parce que claquer de l'argent avec ma carte bancaire, ça fait un peu mal au cul, voilà. Donc, ça coûte un peu cher, donc voilà, si tu pouvais fermer ta bouche là. Mais tout simplement, les amis... On va se retrouver pour un début de carrière avec le mode Mon MG. Alors qu'est-ce que c'est que le mode Mon MG les amis? C'est un mode hyper poussé, ce n'est pas la même carrière manager que vous poussez, que vous pouvez avoir sur le mode FIFA. C'est à peu près 10 fois mieux, voilà, même si ce n'est un peu plus. Pourquoi? Parce que vous allez gérer 10 fois plus de trucs que sur FIFA, tout simplement. Vous allez gérer bien évidemment le plus basique, tout ce qui va être transfert, tout ce qui va être salaire, tout ce qui va être joueur, tout ce qui va être, voilà, tout ce qui est à peu près carrière, tout ce qui est à peu près normal. Vous allez gérer beaucoup plus que ça, parce que vous allez gérer vraiment tout ce qui est intérieur, que ce soit les salaires des joueurs, en négociant avec eux, via des cinématiques, via des négociations très fructueuses, appeler d'autres managers pour leur demander de négocier, pour leur demander de venir entraîner votre équipe. Vous allez carrément demander à délocaliser, pourquoi pas, votre arène. Vous imaginez, je sais pas, je joue à Toronto et je veux mettre mon arène à Montréal, eh bien je peux le demander, je peux le faire, et après il faut que ce soit bien évidemment accepté, etc. Vous devez vraiment tout gérer, les prix, le prix des billets, le prix du hot dog, le prix de la glace à l'eau, le prix du milkshake, le prix de la bière, le prix du coca, le prix des maillots. Vous devez gérer tout de A à Z, c'est absolument incroyable, honnêtement, c'est absolument incroyable. Et donc, ça va être une série comme l'an dernier, où je vais beaucoup retourner vers vous, où vous allez beaucoup, beaucoup m'aider. Rappelez-vous, l'an dernier, j'avais fait manager général chez les Lakers. On avait monté une équipe ensemble, c'était vraiment super sympa. Et donc là, ça va être la même chose cette année, à une ampleur beaucoup plus importante, j'espère, car on est beaucoup plus important que l'an dernier. Alors, difficulté All-Star, on va mettre 8, hop, Dark Fantasy, boum, 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 voilà, boum. Et donc, tout simplement, je vais vous demander dès maintenant une première chose, les amis, une première chose, quelle équipe souhaiteriez-vous que je manage? Et qu'on manage, parce que l'idée, ça va être qu'on bosse ensemble, les mecs. Voilà, ça va être moi, je vais être devant la caméra, devant l'écran, en train de faire les choses, mais à chaque fois, vous m'aiderez dans les commentaires, les amis, dans les réseaux sociaux, etc. Donc voilà à peu près toutes les équipes qu'on a, on a les 30, voilà, tout simplement. Donc, selon l'équipe, selon le degré de l'équipe, selon l'écrit, voilà, selon l'importance, selon, comment dire, l'histoire de l'équipe, vous allez avoir plus ou moins d'exigences de la part du propriétaire, sachant qu'après, je peux racheter le club, hein, carrément. Je peux racheter le club, mais il y a plein de nouveautés, plein de trucs que je peux faire. Mais je souhaiterais vous en parler petit à petit, plutôt que de faire du bouffage de crâne. Parce que du bouffage de crâne en mode bouffagation, ça va boucher en mode bouchon. Et donc, du coup, ça va faire de la grosse merde. Voilà, autant dire que vous aurez des problèmes d'intestin. Voilà, ça n'a absolument aucun rapport. Mais c'est pas... Alors voilà, on peut voir par exemple les Lakers apportant de l'argent deux étoiles, ce qui veut dire que le propriétaire s'en bat les couilles de claquer de la thune. Le succès et l'image du club, c'est très important pour lui. Le degré d'engagement 4 étoiles, ce qui veut dire qu'il va être beaucoup derrière votre cul, ce qui n'est pas forcément très bien. L'importance morale au sein de la franchise, très important pour lui. Et le degré de patience, une étoile, c'est-à-dire qu'il est absolument pas patient. Autant dire que c'est un propriétaire. Voilà, c'est une Lakers, c'est une équipe très très historique, très importante et très riche aussi. Donc ils souhaiteraient vraiment retrouver un petit peu leur image passée, parce que ça fait quelques années qu'ils sont un petit peu bouffés le cul, donc voilà. Alors, les Orlando Magic, les Dallas Mavericks, Brooklyn, les Nuggets, les Pacers, les Pelicans, Pistons, Raptors, Rockets, Spurs, San Antonio, Suns, Oklahoma, Timberwolves, Trailblazers, enfin les 30 équipes en gros. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous de jouer dès maintenant. C'est une petite vidéo, mais la prochaine arrivera très rapidement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'équipe que vous souhaiteriez que je rejoigne. Tout simplement, moi je ferai un vote, c'est l'équipe qui ressortira le plus que tout simplement je
Je prendrai tout simplement, peu importe l'importance, peu importe le choix, que ce soit les Cavs ou quoi que ce soit, je m'en bats les couilles. Je choisirai l'équipe. Voilà, l'idée, ça va être une série tournée vers vous, où vous allez m'aider. Voilà, on va monter cette équipe ensemble, on va gagner des titres ensemble. Et donc, voilà, ça peut être un moyen de nous rapprocher ensemble. Voilà, donc j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à faire péter la barre des likes, les amis, mais vraiment, n'hésitez pas à la faire péter en mode sale, mais en mode sale. Parce que ça fait toujours hyper plaisir, ça me soutient de ouf, mais vraiment de ouf. J'essaie toujours de construire entre nous, vous et moi, quelque chose de magnifique, quelque chose de sympa. Et ce fait de faire ce mode manager ensemble, pour être un moyen de ne faire plus qu'un. ok. En tout cas, les mecs, c'était pas. J'attends vos commentaires avec impatience. J'attends vos petits likes avec impatience. J'attends vos petits messages avec impatience. On se fait des bisous sur les FFS. J'espère que vous serez très nombreux pour me suivre sur cette carrière et très nombreux à participer. Bisous sur les FFS, c'était pas. Peace. Hey, ça va ou quoi? Bien, tranquille. Bon, j'espère qu'en tout cas, la petite série que je vais lancer va te faire kiffer, va te plaire. Je suis le MG, vous êtes mes conseillers, vous allez m'aider en mode aidage, donc attention, j'aurai besoin de vous. Voilà. En tout cas, n'hésite pas à faire péter la barre des likes si ça te fait kiffer, que je me mette toujours de plus en plus sur NBA 2K, voilà, t'as vu. Et si ça te plaît, que nous et vous, que nous tous ensemble, formions plus qu'un et allons faire de cette équipe que vous allez choisir une équipe de mad, une équipe monstrueuse à base de monstruosité. Voilà. Après, tu peux aussi me suivre sur Twitter, Facebook, bientôt 10 000 abonnés, donc bientôt FAQ, et c'est là où ça se passera, les questions de façon questionnagement cofinage, t'as vu. Et puis voilà, je te dis à bientôt, ne vous inquiétez pas, le mode ma carrière, c'est toujours le number one, et ce sera toujours le number one sur ma chaîne. Et puis voilà, vu que je mets beaucoup de vidéos, je mets beaucoup de trucs aussi, t'as vu. Bisous, c'est à bientôt, t'as vu, peace.